L'équipe d'Angoulême démarre sur la piste, c'est les Brain Damage. Au numéro 12, nous avons le cousin Mouchin. Numéro 16, Papy Rikiki. Le 19, c'est Père Lucifer. Numéro 2048,
44-44, c'est Momoro Mystique. Le 72, Cousine Froussarde. Numéro 77, Atomic Fox Kid. Le 777, Chamerner. Le 89, c'est Mag l'Enfant. Et la dernière joueuse, le numéro 95, Onk Punk Floyd. Allez, on applaudit toutes les joueuses qui vont faire un petit tour pour se présenter à l'autre équipe. Ça, c'est les Brain Damage qui viennent d'Angoulême. Sur la piste. Et le premier jam démarre, c'est le début de la première mi-temps qui durera 30 minutes. Alors nous avons sur la piste 10 joueuses, donc 5 joueuses de chaque équipe. Une jameuse et quatre
Blockers. La jammeuse est la joueuse qui a une étoile sur son casque et elle doit passer les blockers de l'équipe adverse. Là, la jammeuse de l'équipe de Bordeaux vient d'obtenir le lead. C'est la première à avoir passé le bloc de l'équipe adverse. Grâce au lead, elle vient de coller, ce qui fait arrêter immédiatement le jam. Les joueuses ont 30 secondes pour se placer avant le début du jam suivant. Et c'est parti pour le deuxième jam. L'équipe d'Angoulême obtient le lead. Voilà, la joueuse vient de coller, c'est-à-dire que le jam est fini. L'équipe de Bordeaux part avec une joueuse en prison. D'accord, la jammeuse de l'équipe d'Angoulême est en prison, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une jammeuse qui peut marquer des points pour l'instant. Elle est en power jam. Voilà, le power jam est bientôt fini, d'ici une petite dizaine de secondes. Elles sont de nouveau 10 sur la piste. Tu passes et tu colles. Voilà, la jammeuse vient de coller. On enchaîne. Les joueurs s'installent sur la piste en fonction de leur stratégie. Alors la joueuse de Boulem est la première à passer les bloqueuses adverses. Elle a donc le lead. Au prochain passage, à chaque fois qu'elle passera les hanches d'une bloqueuse adverse, elle marquera un point. Voilà, elle a collé, donc quand on a le lead, on a la possibilité de coller, c'est-à-dire arrêter le jam à tout moment. Un jam en temps normal dure 2 minutes. C'est votre jameuse.
Pyjamas viennent de passer le bac. Les joueurs sont en place. La jameuse bordelaise sort du pack en première. L'équipe de Bordeaux démarre avec une joueuse en moins qui se trouve en prison. Une stratégie originale de démarrer au niveau de la ligne de pivot, c'est-à-dire la deuxième ligne de départ. C'est le lead pour la joueuse d'Angoulême. Le premier passage du pack où il n'y a aucun point de marqué. Seulement le lead est arrivé. Voilà, elle vient de coller. C'est la fin de ce jam. Pour l'instant, nous sommes à 21 points pour les Brain Damage contre 20 pour la Compagnie Cruelle. Mais ce n'est que le début de ce match. Voilà, 4 coups de sifflet marquent la fin du jam. Thank you.
Malheureusement, la jeunesse d'Angoulême vient d'arriver en prison. Elle vient de faire une faute. Ce qui donne l'équipe de Bordeaux en power jam. Il n'y a qu'une seule jeunesse sur la piste. Il n'y a que Bordeaux qui pourra marquer des points pendant 30 secondes. Et chaque fois qu'une joueuse part en prison à cause d'une faute, elle y reste pour 30 secondes. Elle est de retour sur la piste. Donc on a à nouveau 10 joueuses sur le track. On se met bien derrière tout le pack, on passe par l'extérieur. Une nouvelle faute vient d'être sifflée, c'est une des bloqueuses d'Angoulême qui s'installe en prison. Voilà, le jam a duré 2 minutes celui-ci. La jameuse qui avait le lead n'a pas pu coller car elle est partie en prison et a perdu cet avantage. Donc après ces 2 minutes très intenses, les joueurs ont 30 secondes pour s'installer. De démarrer assez loin de la première ligne, c'est-à-dire la ligne de jammeuse. C'est bon, le lead est obtenu. L'équipe de Bordeaux. Tandis que Angoulême perd une joueuse qui part en prison. Devant elle pour éviter d'être sifflée pour la faute qui s'appelle le cutting. Voilà, c'est la fin de ce jam. Dans 30 secondes, c'est reparti. En ce qui concerne la joueuse qui a le couvre-chef avec une rayure, il s'agit de la pire. Donc c'est une des bloqueuses qui pourra recevoir le Star Pass, c'est-à-dire que la jammeuse lui donnera le rôle de jammer. La bordelaise vient de sortir du pack, c'est la leaderuse de ce jam. De nouvelles joueuses arrivent sur le track. Elles mettent en place leur stratégie. Voilà, les joueuses bordelaises font un point à
afin de faire reculer au maximum la jammeuse qui veut éviter le cutting. Elle obtient tout de même le lead. Tandis qu'une de ses camarades est en prison. La jammeuse bordelaise est très proche derrière. Et du coup, Angoulême colle. L'équipe bordelaise est en place. Voilà. Voilà, il y a un team timeout qui est demandé par Angoulême. Donc chaque équipe pendant un match a 3 team timeout. C'est pour faire un petit récapitulatif au niveau de l'équipe, remettre les points sur les i, rétablir les stratégies, faire le point. Donc là, les 60 minutes de match sont en mode pause pendant ce team timeout. Il restera 13 secondes à peu près avant la fin de la première mi-temps. Pendant ce temps, ça permet à l'équipe de Bordeaux de reprendre un peu son souffle. C'est bon, elles arrivent sur la piste. Chacun prend place. Angoulême a toujours une bloqueuse en prison. Il s'agit de la pivot d'ailleurs. Et c'est parti pour un nouveau jam. Le lead pour Angoulême. Bordeaux toujours très proche derrière. Voilà, Angoulême passe le pack et jam colle directement après afin de mettre fin au jam. Elle aura marqué 4 points sur ce jam. Nous sommes à 38 pour les Brain Damage et 48 pour la compagnie cruelle. La bordelaise est la première à sortir du pack. Elle aura le lead. Vous pouvez voir que la ref qui suit la jammeuse leaderse la pointe du doigt. Voilà, donc elle vient de coller, donc c'est la fin du jam. Alors, elle a pu compter quelques points tout de même. Vous voyez là, pour le lead, vous pouvez voir que les refs
Jacques fait un L avec ses doigts en prenant la jambeuse du doigt. Il la pointe toujours du doigt car elle a le lead, mais cette fois-ci, il indique le nombre de points qu'elle a marqué sur son tour, c'est-à-dire 5. Elle a passé la totalité des bloqueuses, donc 5 points. Voilà, elle retourne derrière toutes les joueuses qui étaient devant elle afin d'éviter le cutting et de partir en prison. Il y a eu un star pass au niveau de l'équipe de Bordeaux, c'est-à-dire que la jameuse qui avait l'étoile vient de la donner à la bloqueuse pivot. Angoulême vient de coller, ce qui met fin à ce jam. Alors les officiels demandent un time-out, histoire de se mettre d'accord ensemble, de faire le point, parce qu'ils ont une interrogation éventuellement. Ça doit se passer au niveau des scores. Donc, au niveau de l'arbitrage, il y a plusieurs postes. Donc, déjà, nous avons les refs, c'est les arbitres avec le polo rayé et qui sont sur patin. Donc nous avons plusieurs en dehors de la piste qui observent les fautes, mais les sorties de piste également. Après, nous avons au centre de la piste d'autres refs. Et nous avons également les NSO avec leur petit t-shirt rose clair qui ont des postes divers. Nous avons les scorekeepers par exemple qui notent tous les points indiqués par les refs qui suivent les jammeuses. Nous avons également la penalty box qui s'occupe de chronométrer les jammeuses et les bloqueuses quand elles se trouvent en prison. Nous avons le jam timer qui va relancer le décompte avant le prochain jam. C'est reparti. Et la joueuse Van Boulen s'échappe du pack. Elle obtient le lead. La Bordelaise va suivre très près. Et c'est la fin de ce jam. Nous avons également plusieurs autres NSO au centre de la piste qui notent les fautes sur le petit tableau blanc et qui font la relation, la communication entre les différents postes. Ce sera le lead pour Bordeaux. Et il y a eu un star pass au niveau d'Angoulême. Voilà, Bordeaux vient de coller juste avant de tomber à l'extérieur de la piste. Ce qui évite à Angoulême de rattraper au niveau des points. On a 30 secondes, c'est très rapide entre les deux jams.
commencer, elle a déjà le lead. Ce sera la fin pour ce jam. Les scores restent très proches. Au niveau du départ, vous observez qu'il y a deux lignes. Les jammeuses sont obligées d'être derrière la première ligne, tandis que les bloqueuses doivent commencer entre les deux lignes. Donc elles peuvent se rapprocher soit de la ligne des jammeuses, c'est-à-dire la première, soit de la ligne des pivots, la plus éloignée. Ce sera le lead de Tungorgo. Voilà, la bordelaise colle tandis qu'il y a ses camarades en prison. Voilà, les officiels demandent à nouveau un petit temps afin de se mettre d'accord. Apparemment, il y a une interrogation à propos d'une faute d'une joueuse. Ils sont en discussion. Alors, dès qu'il y a un doute, il faut le traiter immédiatement. Le jam suivant est commencé. Le lead sera pour Angoulême, mais la joueuse bordelaise la suit de très près. C'est déjà la fin de ce jam. Angoulême a préféré coller assez tôt, se sachant poursuivre par Bordeaux. Alors, on a voilà, le NRF a demandé quelques secondes. Mais les failles secondes sont relancées. Voilà, c'est parti pour ce nouveau jam. Lead de Poupando, alors qu'une joueuse d'Angoulême est en prison. Les cols se font assez vite, les deux équipes se sachant assez proches. Elles enchaînent les jambes. Voilà, quelques secondes sont prises afin de retracer la piste. Les arbitres sont toujours en discussion. Thank you.
je vais reprendre. On attend le coup de sifflet du John Daymer. Et un nouveau John Daymer. Les deux jambes sont au contact des blocages adverses. Et elles sortent toutes les deux du pack. Mais Angoulême est la première. Voilà, elle passe les adversaires et colle immédiatement. Les deux équipes sont à égalité, 60 à 60. Bande sort premier du pack. Voilà, la bandelaise qui était videuse a eu l'opportunité de coller. Le jam est fini. Il manque 30 secondes avant d'enchaîner. Le bid est déjà obtenu par Angoulême. Bando est juste derrière. Et elle colle. Les 10 joueuses sont sur la piste. Soixante-deux pour les Brand Damage et 64 pour la Company Cruel. Les deux joueuses poussent les bloqueuses adverses. Laquelle des deux sortira du pack en première? Grâce aux formations effectuées par les bloqueuses de chaque équipe, les jammeuses ont eu beaucoup de mal à passer. Une joueuse est obligée de faire le pont afin d'éviter les no packs. Et c'est Angoulême qui a le lead. Il vient d'y avoir un star pass au niveau de Bordeaux. Mais Angoulême a collé. C'est déjà la mi-temps, donc 30 minutes de jeu viennent de s'écouler. Une petite mi-temps d'un quart d'heure est programmée pour permettre aux joueuses de se reposer, de rétablir les stratégies et de faire un bilan sur la première partie de ce match. À
30 minutes de jeu, les scores s'établissent à 66 pour les Grand Damage d'Angoulême et 64 pour la Compagnie Cruelle de Bordeaux.
Thank you.
Le jeu va reprendre dans moins d'une minute. C'est la fin de la mi-temps. Les joueuses vont se remettre en jeu. Angoulême vient de démarrer en power jam car la jammeuse bordelaise est en prison. Voilà, elles sont de nouveau 10 sur la piste.
Mais... Voilà, nous avons que trois bloqueuses d'Angoulême. La quatrième arrive tout de suite. Bordeaux obtient le lead. Elle pourra mettre fin à ce jam dès qu'elle est faite. Les Bordelaises font le pont pour reculer la jameuse d'Angoulême. Veut éviter de partir en prison pour un cutting. Voilà, Bordeaux vient de coller. On n'attendra pas les 2 minutes de ce jam. Oh, okay.
Angoulême est très peu derrière. Elle doit vite mettre son couvre-chef avec l'étoile pour qu'on reconnaisse son statut de Jeannoise. Mais Bordeaux vient de coller. Nous avons toujours 10 joueuses sur la piste, une jammeuse de chaque équipe et dans chaque équipe également 4 bloqueuses. La bloqueuse qui a le fichu, le couvre-chef avec la rayure et la pivot. Bordeaux a le lead. De Bordeaux est en prison et sa coéquipière colle. Dès que le RF signale un opaque, elle doit vite se rapprocher chaque bloqueuse afin d'éviter de partir en prison. Voilà une nouvelle bordelaise à fond de faute et par 30 secondes en prison. Au niveau des fautes, il y en a un certain nombre. Elle peut faire des elbows, c'est-à-dire des, par exemple les coudes sont interdits. Les coups d'avant-bras sont interdits. Également le coup de genou, les coups de pied, le coup avec la tête. Ce qui peut constituer une faute est également de donner un bad block, c'est-à-dire impacter tout autour de la colonne vertébrale. Voilà, la bordelaise rejoint ses coéquipières sur le track. Les scores sont toujours très proches, 92 à 91. 81, pardon. Juste derrière, Angoulême me suit. Voilà, se sentant rattrapé, Bordeaux a collé pour mettre fin à ce jam. Un nouveau jam est lancé. Et Angoulême aura le lead. Voilà,
en place. Ce sont un coin où les roues les guident cette fois-ci. Mon dos les rattrape. Niveau des scores, Angoulême prend légèrement l'avantage en menant 98 à 83. Et il s'agit de la jammeuse, ce qui donne Bordeaux en situation de power jam. Donc pendant 30 secondes, il n'y a que l'équipe de Bordeaux qui pourra marquer des points. Donc un point est marqué dès qu'on franchit les hanches d'une bloqueuse adverse. Une deuxième joueuse d'Angoulême pour les partisans. La jammeuse d'Angoulême revient sur le track. Pas pour bien longtemps car Bordeaux colle. Le jam est fini. Il n'y aura que deux bloqueuses d'Angoulême sur le track à ce départ de jam. Et le lead est pour Bordeaux. Une joueuse en moins chez la compagnie cruelle. C'est la fin de ce jam. Voilà donc 4 coups de sifflet qui sont répétés. Marque la fin d'un jam. Il reste moins d'un quart d'heure à ce match. Joli saut d'apex de la part d'Armand. Donc les jammeuses ont plusieurs stratégies pour pouvoir passer le bloc adverse. La feinte, la puissance, en poussant. Voilà, des constructions de blocages qui ne sont pas solides, si elles poussent, lui permettront de passer plus facilement. Le NGREF demande au capitaine et au bench de se concerter. Voilà, au niveau d'Angoulême, nous avons comme capitaine Plankton et pour les benches, nous avons Fatbolskin et l'homme invisible. Et pour la compagnie cruelle, les benches sont Megajules et Bigornotte.
et la capitaine est Nana Moscovic. Bordeaux est en place, mais le timeout est toujours d'actualité. Elle a déjà rattrapé le pack, tandis que l'équipe de Bordeaux est de nouveau complète. C'est bon pour la jameuse bordelaise qui vient de sortir du pack. Angoulême passe le pack et colle immédiatement. Thank you.
un cutting vient d'être assigné à la jammeuse d'Angoulême. Elle part en prison pour l'interjam. La pivot est également en prison. Voilà, c'est la fin de ce time-out. Brenda Mage mène toujours avec 113 à 91. Les deux équipes sont prêtes. Bordeaux démarre en power jam. Nous avons qu'une jammeuse sur la piste. Il y a trois joueuses en prison. Toujours un power jam pour Bordeaux. Voilà, elle vient de passer le pack. Cette fois-ci, le jam démarra avec les deux équipes au complet. Une autre faute vient d'être sifflée.